Eras de vista. Esos abiertos días, cuando monté por árboles caídos, así por tu paloma, palomita, por tu oración pasiva, andando entre tu sombra y el gran tesón corpóreo de tu sombra, debajo de ti, y yo, tú y yo, sinceramente, tu candado ahogándose de llaves, yo ascendiendo y sudando, y haciendo lo infinito entre tus muslos. El hotelero es una bestia, sus dientes admirables. Yo controlo el orden pálido de mi alma. Señor, allá distante, paso a paso. Adiós, Señor. Mucho pienso en todo esto conmovido, perduroso, y pongo tu paloma a la altura de mi vuelo, y cojeando de dicha, a veces, repósome a la sombra de ese árbol arrastrado, costilla de mi cosa, dulzura que tú tapas sonriendo con tu mano, tu traje negro que se habrá acabado. Amada, amada y masa, que unido a tu rodilla enferma, simple, ahora te veo, te comprendo, avergonzado, en Letonia, Alemania, Rusia, Bélgica, tú ausente, tu portátil ausente, hombre convulso de la mujer temblando entre sus vínculos, amada en la figura de tu cola irreparable, amado que yo amara con fósforos floridos, cantón a la vie et la jeunesse, se dicha tilmó, cuanto no haya espacio entre tu grandeza y mi postre proyecto, amada, volveré a tu media, hasta besarme, bajando por tu media repetida, tu portátil ausente, dile así. Il m'a demandé de parler de sa poésie, mais plus précisément, et c'est à cela que je vais m'attacher, il a un manuscrit en quelque sorte qui attend publication, mais qui vient à peine d'être terminé, qui porte un titre français, L'excès noir, qui a été commencé, si je comprends bien, en 2004 et qui vient de se terminer en octobre 2011. Donc, il a pris 7 ans d'écriture. Et moi, je suis admiratif d'un poète qui, de langue espagnole, vivant en France, mais Dieu sait que l'attachement des poètes à la langue maternelle est presque une injonction, une obligation. Et il y a très peu de poètes qui ont osé franchir le pas et écrire dans la langue du pays qui les accueillait. Ils se comptent pratiquement sur les doigts de la main, les bons poètes. Même des gens comme Rilke, avec ses sonnets valaisans, ou T.S. Eliot, on connaît moins, mais qui a écrit des poèmes directement en français,
et qui ne sont pas très bons d'ailleurs. Et il y a très peu de poètes, outre ces deux exemples connus, il y a très peu de poètes qui écrivent dans la langue et en français. Eh bien, je dois dire que ce manuscrit que m'a présenté Carlos Anderson est tout à fait remarquable. Il est tout à fait remarquable et je peux lui dire très publiquement, il ne rougira pas, que véritablement son texte de 80 pages environ est un texte extrêmement cohérent, bien écrit, d'une syntaxe claire, précise, et je vais en parler en quelques mots simplement. Voilà quelle est ma première impression de lecture. Ce texte se présente, alors il est aux antipodes, si je puis dire, pour ceux d'entre vous qui connaissent ce qu'il écrit, il est aux antipodes, enfin il est diamétralement opposé à la fulgor de tu cuerpo, l'éclat de ton corps, qui est le précédent, paru en 2000 en quelque sorte. Alors celui-là, c'est un poème d'amour, c'est un poème coruscant, assez flamboyant, enfin d'image. Et alors là, on est aux antipodes. On est dans un univers que je qualifierais de peut-être plus de sobre que de sombre d'ailleurs. C'est un univers assez nocturne, il est souvent question de la nuit, mais ce n'est pas l'important. L'important, c'est qu'il se présente sur la page, et c'est ça qui frappe tout de suite, il se présente sur la page comme une succession extrêmement espacée, à intervalles irréguliers, de phrases seules, toutes seules, qui sont des phrases que je qualifierais un petit peu de monostiche, comme on dit à propos des vers, d'un seul vers, monostiche ou monostique, qui sont des phrases entre la prose et le vers gnomique, quelque sorte, d'une certaine façon. Et ce qui apparaît, c'est le blanc tout autour. Il y a, alors on se dit, il y a une économie du blanc, enfin une économie du noir, de l'excès noir. C'est ironique d'ailleurs, parce que je ne sais pas s'il est conscient du titre qu'il a donné, mais ce n'est pas l'excès noir, mais c'est la rareté noire sur l'excès blanc, en quelque sorte. C'est un peu comme ça qu'on peut voir cette première lecture. Certaines fois, dans la partie droite du recueil, dans la page sur la partie droite de la page, il y a de l'italique. Ce sont des épigraphes qui sont destinées aux poètes que, de toute évidence, Carlos pratique et qu'il admire. Alors, ces poètes, qui sont-ils? Eh bien, je les cite parce que, dans le fond, ils sont les suivants. Alors, il y a Antonio Gabonetta, le grand poète espagnol contemporain. Il y a Mahmoud Darwish, qui est décédé, qui est mort il y a 2 ans, le poète palestinien. Il y a Henri Méchonic, lui aussi décédé il y a 1 an. Georges Bataille, André Duboucher, Arthur Rimbaud, Antonin Artaud. Et d'ailleurs, dans cette liste-là, celui qui me paraît être le plus proche de ce manuscrit, c'est André Duboucher. Duboucher également est quelqu'un qui a beaucoup travaillé au contact du blanc et qui a réussi à créer un espace de tension de la phrase dans le blanc. Une sorte d'espacement, d'extension de la syntaxe pour vivre au contact du blanc. Le premier qui a fait cela, bien entendu, et qui est le père de la modernité française, de la poésie française, étant bien entendu Stéphane Mallarmé, avec son coup de dé qui jamais n'abolit le hasard. C'est vraiment de cela qu'il se réclame. C'est très important, et c'est très crâne, c'est très audacieux de la part d'un poète qui, comme cela, passe au français. Alors, je suis parti de l'extérieur de ce poème qui, comme vous le voyez bien, et c'est pourquoi je le détaille, est très charpenté et très construit. Et j'aime beaucoup, moi, cette construction. En tant que poète, personnellement, je suis très sensible à ce qu'est l'architecture. On n'en parle pas souvent de cela, mais je trouve que la poésie, celle qui me plaît en particulier, c'est la poésie qui est pensée, composée et architecturée. C'est le cas de ce poème. Mais qu'est-ce qu'il dit, ce poème? Alors, si j'entre un peu plus avant, je me rends compte qu'il y a une dialectique, une sorte de tension, pour ne pas dire de combat, entre un « il » et un « tu ». Et alors on se dit, mais où est le jeu du poète?
Où est le jeu, le sujet du poème? Alors, ça commence dans les premières pages, ça s'estompe ensuite sous la forme de capital, et qui sont rythmés, qui reviennent de façon rythmique. Il dit de point, et on a ce qui est dit. Il dit, il dit. Comme dans la grande poésie classique, et on se dit, mon Dieu, Carlos Anderson se prend pour Homère. Il est en train de nous entrer dans l'épopée péruvienne peut-être.